Golf Mag est une présentation de la forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission est enregistrée sur les sites du golf de Lanaudière. Et bienvenue à cette nouvelle émission de Golf Mag. Cette semaine, à l'émission, nous vous ferons découvrir le centre de golf Lanaudière, qui arrive à son âge adulte, et oui, déjà 18 ans, et on offre depuis 27 trous de grande qualité à sa clientèle, et on dit même que c'est le meilleur rapport qualité-prix dans cette belle grande région. On saura le constater avec le directeur des opérations, Alexandre Charron, avec qui on va jouer d'ailleurs le trou de la semaine ici, et Jérôme Blais nous donnera de précieux conseils pour effectuer de bons coups roulés. Là-dessus, bon Golf Mag! Le centre de golf de Lanaudière propose un complexe de 27 trous. Les parcours blanc, bleu et rouge sont complètement différents les uns des autres. Au 1er juillet, nous ajouterons sur tous les trous un jalon hybride vert afin de répondre à la clientèle vieillissante qui souhaite trouver plaisir à pratiquer leur sport. Vous retrouverez un très grand nombre de lacs sur ces parcours, toujours bien entretenus. Les premiers coups de crayon du centre de golf Lanaudière ont été faits en 1997 par l'architecte Claude Saint-Pierre. Il a fait le 9 blanc et le 9 bleu. Et les exigences du propriétaire, Pierre Charron, étaient assez complexes, mais tout à fait justifiées. Écoutons-le. Ici, quand on a pensé à tout ça il y a 20 ans, on a fait faire une étude de marché qui nous disait qu'il y aurait de la place pour un terrain public avec une qualité-prix vraiment abordable. Oui. Alors, c'est ce qu'on a fait. Il fallait être patient parce que si on voulait faire ça, bien, il ne fallait pas que ça coûte trop cher. Alors, il fallait attendre après le gazon un peu. Oui. Mais aujourd'hui, on en a, on ne sait plus trop quoi faire avec. Oui. Mais, et on a développé un terrain de golf, nous, axé sur les jeunes et sur les dames. Oui. Alors, on a un gros marché maintenant. Nous, on est reconnus pour les madames et qui est un marché extraordinaire parce qu'aujourd'hui, les madames sont en grand nombre. Ils profitent de la vie autant que les hommes. Absolument. Et sont de très bons clients sur la terrasse également. Alors, et ça agrémente la journée pour les messieurs qui viennent nous voir également. Alors, c'est tout un atout. Alors, tant qu'aux juniors, ben, on a bâti une des plus grosses académies, sinon la plus grosse académie de golf au Québec pour les juniors. Nous, ici, on est un des seuls terrains de golf. Et je pense qu'on était le seul terrain de golf il y a 18 ans à permettre aux jeunes juniors de jouer 7 jours semaine sans aucune restriction d'heure. En termes de défis, le centre de golf Lanaudière, ça représente quoi pour ta clientèle, pour toi? Est-ce que c'est un challenge à chaque instant? Tantôt, je suis arrivé, on sentait le vent, là, puis je me souviens, ah oui, c'est vrai. Ici, il y a un facteur vent non négligeable. Et quand on a bâti ça, Claude Saint-Pierre, l'architecte qui a conçu le terrain, qui m'a aidé beaucoup, le premier principe, c'était de servir ce que la nature nous avait offert. Alors, on avait un boisé extraordinaire. Alors, on a travaillé avec en essayant de sauver tous les arbres possibles. Moi, je suis un maniaque de la nature, alors on a essayé de faire très attention à notre forêt. Et moi, j'avais été joué aux États-Unis, j'avais eu la chance de jouer quelques fois aux États-Unis. Alors, j'avais beaucoup aimé les terrains style Myrtle Beach, oui, où il y avait beaucoup d'eau, peu d'arbres. Alors, ici, on a bâti un 9 trous complètement boisé. Un 9 trous complètement ouvert, style Myrtle Beach. Puis le troisième 9, notre parcours rouge, qu'on appelle. Bien, c'est un mélange un peu des deux. Bon succès au centre de golf Lanaudière et longue vie. C'est tout le temps un plaisir de nous revoir. Bien, merci à toi et toute ton équipe. Merci, Pierre. Merci. D'accord. Poursuivons avec le trou signature de la semaine, le 9e bleu, une normale 5 de 500 verges, offrant un défi incontournable, avec son lac majestueux longeant tout le trou. Nous jouons avec Alexandre Charron, directeur des opérations du club. Il a aussi été membre de l'équipe universitaire des Patriotes Golf de Trois-Rivières de 2007 à 2012. Alexandre Charron, je suis vraiment, vraiment content de jouer enfin un trou de golf avec toi. On connaît ton grand talent. Tu étudies à l'Université de Trois-Rivières, programme golf. Tu es un golfeur accompli. Mais là, aujourd'hui, tu as choisi comme trou de la semaine probablement l'un des trous les plus représentatifs que ton père, qui est le propriétaire du terrain, voulait à l'origine pour offrir un défi aux golfeurs. Et le 9e, bien, c'est un challenge en soi. Écoute, c'est un superbe par 5 pour terminer le parcours bleu après un 8e trou déjà très difficile comme par 4. On arrive au 9e, c'est pas une longue normale 5 de maximum 475 verges, mais
Il y a un plan d'eau qui va vous suivre du début jusqu'à la fin pour arriver au vert avec une presqu'île qui est quand même très dangereuse, car on retrouve quand même 25 000 balles par année dans la partie avant du vert. Donc, c'est quand même, il va y avoir des choix tactiques à prendre parce qu'aujourd'hui, on joue quand même à 160 verges, à 460 verges. Ouais. Et il va y avoir des choix tactiques à prendre intéressants vu que c'est un par 5 qui peut être atteignable en deux. Oui, parce qu'il fait partie d'une séquence de finition vraiment intéressante parce que là, on est au 9e, mais le 8e est intéressant, le 7e est intéressant. Ouais. Donc, stratégiquement, là, ici, quand on est aux terres de départ, on n'est pas sur les terres les plus éloignées. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit viser essentiellement? La grande zone d'atterrissage est beaucoup à droite, donc on peut s'essayer de ce côté-là. Par contre, quand on va y aller pour un deuxième coup, la zone d'atterrissage va être très restreinte. Donc, c'est peu dire qu'on peut viser plus au centre, mais à ce moment-là, on va avoir une trappe d'aller complètement au fond. Ouais. Donc, il faut que notre coup de départ soit bien réussi, mais pas trop long non plus. Puis finalement, on peut décider de couper le lac si on a une balle assez forte par-dessus les arbres, mais ça peut être quand même... très payant si c'est réussi, mais ça peut être le contraire, désastreux. Moi, je veux savoir, aujourd'hui, on a un vent qui nous vient vraiment de gauche-droite du terre de départ. Est-ce que ça, c'est le vent normal? Est-ce que c'est un vent dont on doit se méfier pour si on veut couper le lac, par exemple? Aujourd'hui, on va le considérer parce qu'on va pouvoir peut-être essayer de couper davantage. Et dans le pire des cas, le vent va ramener notre balle dans une portion où c'est intéressant de tomber quand même. Ouais. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait se laisser aller. Puis viser davantage à gauche. Et si le résultat est bon, on va se retrouver avec un deuxième coup très intéressant pour essayer le trou en deux sur une normale 5. J'aime ta description. Et comme tu m'as très bien décrit le trou, je vais te laisser les honneurs, mon cher. Question de me montrer la ligne idéale. Excellent, merci. Je te regarde. Alors, dis-moi, Alex, de là. Ta ligne exacte, c'est quoi? Comme aujourd'hui, on est un peu plus proche que d'habitude, je vais viser le coin du lac. Oui. Dans le pire des cas, si le vent ramène ma balle, je vais tomber dans une zone qui est très agréable pour espérer attaquer le verre en deux. Dans le pire des cas, d'après moi, avec la force qu'aujourd'hui, que mon swing j'anticipe, je devrais être capable de traverser un peu le coin. Moi, j'anticipe un bel élan. Alors? On va espérer de voir ce que ça va donner. Ouais, monsieur. Ouais, monsieur. Connaît son terrain, le gars. Solide. Solide, solide, solide. Ah, ça paraît que t'as joué du gros golf. À mon tour. Je vais essayer. En fait, je vais te poser une question. La même ligne que toi avec un crochet à gauche, est-ce que c'est une bonne option? Oui, parce que dans le pire des cas, tu vas te retrouver dans la portion intéressante à 220 verges du verre, où ce que c'est très agréable de soit attaquer en deux ou d'essayer un deuxième coup plus sécure. Parfait. Je peux pas demander mieux aujourd'hui. On va avoir des bons choix à faire. C'est bon, j'aime ça. Restez là, Golf Mag se poursuit après cette pause. C'est bon, j'aperçois une balle juste là. Oh, ça devrait être la mienne, ça, je pense. C'est pas moi, oui. Quand même pas si mal. Allons voir ça. Ouais, ouais. Tu figures quoi comme distance à peu près, Alex, d'ici, toi? D'après moi, t'es à peu près à 168 verges. 168. Ouais. Un très bon vent, hein? C'est sûr que moi, j'oublierais la pine. Le fanion rouge, on l'oublie. On envisage un coup pour être gagnant là, sur le verre. Dans le pire des cas, il y a une très bonne pente en plein centre du verre. Donc, ouais. Si la balle tombe dans le centre, il y a des fortes chances qu'elle descende vers le bas, ce qui va nous avantager. Donc, on vise le centre et après ça, ça sera deux coulées, un birdie. Puis on sort gagné. Ouais, OK. 165, 168, plus le vent, on est presque rendu à 180. Si je suis allé au centre du verre, on peut estimer au moins 180 verges pour un coup safe, comme on dit. Ah oui, c'est raisonnable, comme distance. Ouais. C'est bon. Ça va être un fer 5. Je pense que ça pourrait être le bon bâton. Puis je vais me donner comme cible la fenêtre à côté du pavillon. Là, ça devrait être bon pour moi. Ouais. Excellent. Ça devrait être bon. Ouais. Reste là, meurs là. Ouais. Impeccable. OK. Tu sais quoi, ça doit être pas très long comme distance.
Il va être bien heureux de ce résultat-là. On l'apprend, c'est sûr, sûr, sûr. Super. Donc, tu étais un peu plus en avant. Oui, je vais aller voir ça. Okay. Ça dit quoi, Alex? Donc, le fanion est à 142 verges présentement. On peut être porté, comme je parlais, d'essayer le centre du verre. Par contre, j'ai le goût d'attaquer un peu plus dangereusement, donc je vais y aller. Je vais jouer ça 150 verges présentement. Dangereusement. J'aime le mot dangereusement. T'as quoi dans les mains? Je vais y aller pour un fer 8 présentement, le joint plus bas. Parfait. Afin de contrer le vent aujourd'hui. Mais ça approche. Ouais! La ligne est bonne. Oh, oh, oh! Écoute, s'il y avait une foule en arrière du green, il y aurait des applaudissements comme ça. Good shot! On va la prendre. Good shot! Merci. Tu vois, de loin, la tienne, m'apparaissait beaucoup plus proche. Ouais, mais ça va être quasiment une distance semblable. Ouais, belle shot. Merci. Alexandre, vos verres sont bien fournis, mais il me semble que la texture a changé au fil des ans. Oui, auparavant, on était beaucoup en agrostide à grandeur, en bengrass, qu'on peut dire. Mais ouais. Maintenant, on est rendu en poa. On a toujours accordé vraiment beaucoup de temps sur nos verres pour avoir le même roulement sur chacun des 27 trous. C'est primordial ici. Le client vient, il veut avoir des coups roulés réguliers puis qu'il réponde. Donc, je pense que c'est ça qu'on offre maintenant avec plaisir aux clients qui jouent ici au Centre de golf Anadière. C'est bon. Bon, ben on pote chacun pour un aigle, hein? Oui. Merci pour le drapeau. Pression est sur toi pour commencer. Oh, quelle pression! J'adore ça. OK. En fin de journée, la petite fleur du pot a peut-être poussé un peu plus. Le verre sera peut-être pas aussi rapide qu'en début de journée, mais... Ouais. On va rouler droite-gauche. Oh, la ligne est belle. Oh. Oh. Bon, ben Alex, je vais me contenter d'un petit birdie facile. Et je vais te laisser toute la pression du monde pour réussir un aigle. Je vais la prendre. Bonne chance. Merci. Beau petit roulant en descente? Oui. Il risque de tourner légèrement vers la droite. Et il faut pas avoir peur d'y en donner. Quand c'est un pot d'eagle, faut pas rester short. Solide, solide, solide! Qui est fort! On va la prendre. Puis ça a l'air que tu joues pas souvent cette année. Non, c'est ma troisième partie, mais on va prendre ça. Hey, avec du talent de même, là, j'allais dire que c'est quasiment gaspillé. Hey, merci pour tout. Ça fait plaisir, merci d'être venu. C'était vraiment agréable. Ouais. Je suis vraiment heureux de voir que le terrain vieillit bien puis que vos installations sont superbes. Merci. On invite tout le monde à revenir, franchement. Tous ceux qui ont essayé le terrain ou de le découvrir, tout court. Merci, Alex. Merci beaucoup. Bonne saison. Lors de son inauguration en juin 1997, le champ de pratique du Centre de golf Lanaudière fut un succès immédiat. C'est facile à comprendre, on a inauguré pas moins de 60 000 pieds carrés de surface gazonnée au plus grand plaisir des golfeurs. Et ajouté à cela aujourd'hui, on retrouve pas moins 5 verres de pratique. C'est vraiment l'endroit idéal pour mettre en pratique justement les précieux conseils de notre pro, Jérôme Blais. Le conseil de golf de Jérôme Blais est enregistré sur les sites de golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International, balle de golf récupérée. Pour les coups roulés, la position d'adresse est très importante, surtout au niveau des mains. Si vous regardez à la télévision, Phil Mickelson, Rory McIlroy, Jordan Spieth, ils ont tous les mains devant la balle. C'est très rare qu'on voit un professionnel à la télévision avec les mains derrière la balle. Si on a les mains derrière la balle, on fait en sorte que le bâton devient trop ouvert et la balle, au lieu de partir en roulant, on appelle ça, elle pop, elle rebondit légèrement et là, c'est là qu'elle peut dévier de sa trajectoire. Avec les mains légèrement devant la balle,
On s'assure d'avoir une face de bâton bien droite et un meilleur roulement de la balle dès le moment de l'impact. On peut même voir, exemple, encore Jordan Spieth, qui, juste avant de partir, on appelle ça un petit forward press. Il fait simplement bouger les mains, c'est comme l'amorce de son geste. Les mains bougent un peu et là, il effectue le pendule avec ses épaules. Moi, j'aime avoir les mains devant la balle. Je m'installe. Je prends soin de bien visualiser mon coup. Je place mes mains derrière la balle et je frappe pour aller porter la tête de mon bâton au trou. Sur ce, je vous invite à aller au verre de pratique pour vous entraîner avec ces quelques conseils qui vous aideront une fois rendus sur le parcours. Bon golf! Restez là. Golf Mag se poursuit après cette pause. L'Académie et l'enseignement aux juniors sont très actifs au Centre de golf de Lanaudière. Dominique Morancy est responsable d'élaborer un programme d'entraînement pour l'équipe junior de niveau excellence. On a jasé avec vos deux kids qui en ont dedans, comme on dit. Ils s'élancent bien. Visiblement, le talent est au rendez-vous. Quelle a été votre première impression quand ils vous ont dit « Papa, on aimerait ça jouer au golf ». Ça a-t-il été naturel? Êtes-vous vous-même un golfeur? Oui, je suis un golfeur du dimanche. J'ai jamais été un très bon golfeur, mais je voulais que les enfants puissent faire du sport jeune. Fait que je les ai comme initiés au golf, au patin, au baseball. Le plus jeune à 9 ans, puis je joue au baseball depuis, il fait 6 ans. Ah oui? On commence à faire du golf à 3 ans et demi un peu. Mais font un peu de tout, là, par exemple. Comment ça que t'es un bon golfeur? Ben, parce que j'ai commencé à 3 ans, puis j'arrête pas de regarder la télé. Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu une piqûre, le golf, pour toi? Ben, parce qu'à 3 ans, c'est que je suis occupé dans ma cour, mais puis à 5 ans, ben je suis allé au Zurichman, puis mes drives étaient super droits, puis tout ça, là. Puis je frappais à peu près 100 verges. Wow! Mais à 5 ans. William, qui a initié qui au golf? Est-ce que tu as commencé à jouer au golf avant ton frère ou... Non, c'est mon frère qui a commencé à jouer au golf. Ah oui. Comment tu te considères comme golfeur après seulement 5 ans? Comment tu trouves ton niveau de jeu? Je trouve que je m'améliore vite. Ça représente quoi en termes de gestion de temps? Parce que vous n'avez pas juste un, vous en avez deux. Là, souvent, les deux vont venir en même temps pratiquer, vont venir faire un 9 trous ensemble. Le plus vieux commence à pouvoir jouer tout seul avec un de ses amis aussi qui est membre ici. À partir du moment que l'école va être terminée, à quoi ressemble une semaine? Et c'est bien occupé, surtout pour le plus jeune qui joue au baseball aussi. Fait c'est sûr qu'on essaie de se concentrer du lundi au mercredi sur le baseball. Puis à partir du jeudi, on se met en mode golf. Mais on sait quand même c'est 50 jours ici. Là, même les lundis, mercredis, il y a des parties de baseball. Mais il est ici dans la journée pour faire son camp de golf. Fait que je viens le chercher à 4 heures, on mange, puis là, il s'en va pour son baseball. Fait que ça fait des grosses journées, là, surtout jouer un 18 trous jeune, là, puis de jouer une partie de baseball après. Donc, il dort bien. Ah, ouais, c'est ça, il dort bien. Ouais. En termes d'heures de golf consacrées par semaine en pleine saison, ça peut ressembler à quoi? Une petite idée, là, incluant les parties, la pratique? Je dirais peut-être une quarantaine d'heures de golf l'été durant la grosse période. Là, okay. Une quarantaine d'heures. Maxime, si je comprends bien, toi, tu as fait étape par étape ici. Tu es arrivé ici comme apprenti. Oui. Et tu en es maintenant à ta dernière année junior. Ton classement provincial est quand même relativement bon. La saison des tournois est sur le bord de commencer. Est-ce que tu t'es donné des objectifs à réaliser? Les deux dernières années, j'ai fait le championnat provincial. La première année, j'ai terminé 60. L'année passée, j'ai terminé 50e. Le but pendant les compétitions, c'est souvent de m'amuser. T'amuser en espérant sortir un 65, un 66? Ouais, j'ai jamais fait ça. Ma meilleure game, c'est 72, là, le normal. Wow! Mais ouais, j'essaye, là. J'ai toujours eu... Je suis toujours proche, mais je suis jamais capable. Mais je vais réussir cette année, je pense. Ben, je te le souhaite. Merci. Merci, Max. Lâche pas. C'est cool. Merci beaucoup. Pour les plus jeunes, on offre plusieurs formules telles que les camps de jour, et les plus vieux évoluent vers le programme et les juniors. Le plus grand changement survenu au centre de golf de Lanaudière depuis une décennie, c'est vraiment dans la qualité et la densité de son gazon. Et ça, c'est attribuable au travail colossal qui a été fait par Olivier Rochon, le surintendant, et toute son équipe. On a amené les niveaux de standard de là à là. Et je vous dis, là, les golfeurs qui sont venus ici au tournant des années 2000 ne reconnaîtraient tout simplement pas ce parcours, le centre de golf Lanaudière. Merci de nous avoir suivis cette semaine à Golf Mag. Suivez-nous sur notre page Facebook, suivez-moi sur Twitter et on se revoit très bientôt pour une autre émission. À bientôt!
Golf Mag vous a été présenté par La Forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission a été enregistrée sur les sites du golf de Lanaudière. Daniel Melançon est habillé par Peak Performance. En terminant, je vous laisse avec notre citation de la semaine qui nous vient d'une humoriste américaine décédée en 2012. Elle s'appelait Phyllis Diller. Elle a déjà dit ceci. La raison pour laquelle un pro vous demande de garder la tête basse est de vous empêcher de le voir rire. Bonne semaine.